maintenant, salut Mickey. Et maintenant, grâce à toute cette jeunesse, nous allons pétiller. Bonsoir Dorothée. Nous allons pétiller ensemble, d'accord. Nous allons pétiller ensemble. Dorothée, depuis 87, vous pétillez sur TF1. Mmh. Ouais. On fait les présentations ? Avec plaisir. Allez, on fait les présentations. Enfin, tu fais les présentations. Tu laisses faire le travail. On commence. Bruno Lumelin, le papa des années fac. Le papa des années fac, c'est le Bruno. Bonjour. À sa gauche, Camille Raymond, Justine. Bonjour. Bien sûr. Le plus musqué des musqués, Gérard Vives, la fille à côté. Oh là ! Ovation ! Bonsoir. Bien sûr, Hélène, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Hélène. À tes côtés, Hélène, Anthony Dupré, vous avez fait également. Bonsoir. Je peux la présenter, ma camarade. Je t'en prie. Ma camarade du dimanche après-midi dans Disney Parade, c'est Séverine. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Et à ma droite, Christophe Péter, vous avez fait également. Bonsoir. Et à ma gauche, Mickey. Et à ma gauche, Alter Foucault. Vous êtes mondial. Vous avez commencé à 4 ans, c'est ça, Camille ? Non, c'est ça, j'entends ? Oui, c'est ça. À 4... Qu'est-ce que vous faisiez à 4 ans ? Bah, j'ai fait des longs métrages. À 4 ans ? Oui. Racontez-moi le premier long métrage que vous avez fait à 4 ans. Vous avez 3 quarts d'heure, allez-y. C'était... Enfin, 3 secondes. C'était avec Michel Sardou, ça s'appelait L'été de nos 15 ans. Ouais. Et donc j'avais, j'avais 4 ans et demi. Bon, c'est pour ça que ça s'appelait L'été de mes 15 ans. J'ai bien compris, oui. J'ai bien compris. Dites-moi, et vous, ce rôle que vous jouez dans la série, vous pose pas problème, non ? Ben non, parce qu'avec Camille, bon, on s'est mis ensemble depuis maintenant. Ah d'accord. Ok. Ben j'ai essayé de me mettre avec Camille, mais bon, ça marche pas. Mais non, ça se passe bien. Ouais. Hélène, si Hélène est devenue Hélène, tu m'arrêtes si je me trompe, Dorothée, c'est en partie grâce à la grand-mère, non ? Ah oui, oui, oui. Oui ou non ? Enfin, non. Non.Ah, merci disons beaucoup. Que voilà. Ma messieurs, le présentateur de l'émission est dans l'embarras car il a posé une fausse question. Enfin, le premier, le seul d'ailleurs. Ouais. Long métrage que j'ai fait, c'est grâce à ma grand-mère, mais la série, non. Après, non. Deux questions. Une à Christophe. Christophe, tu étais dans les 100 ou 200 meilleurs, je me trompe, joueurs de tennis. Oui, j'étais à l'époque où je m'entraînais, où j'étais sérieux, ouais, j'étais moins de 6, donc je suis resté 3 ans. Ouais. Puis voilà, puis je trouvais ça plus sympa et plus facile de jouer la comédie avec les copains que de s'entraîner et avoir une rigueur sur un terrain de tennis. Voilà. C'est plus difficile ou c'est plus facile ? C'est plus facile de s'amuser avec eux que tous les matins aller s'entraîner ou physiquement ou sur un terrain de tennis. En tout cas, au nom de tous les enfants, moi je vous applaudis puis je vous remercie. C'est vrai, la dimanche, n'oublie pas. Hein. Tu reviendras chanter ta chanson. Mickey, à dimanche, n'oublie pas. Et regardez, avec Dorothée et toute l'équipe, nous allons pétiller. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène et les garçons! Studio de la télévision, c'est là qu'il faut qu'on aille. Allez, on y va. On y va, allez, viens. Oh, 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 messieurs, dames, vous avez laissé passer. Non, monsieur. Alors je regrette de circuler. Ici, on tourne, mademoiselle. Mais on veut rentrer à la télévision. Non, mademoiselle, faites laisser passer, vous pouvez juste pas. Un peu, une... Non, monsieur, je suis désolé. Allez, allez, s'il vous plaît, circulez. Monsieur le directeur est très occupé, trop débordé, très fatigué, très éprouvé. Il n'est pas là, ne cherchez pas. Non, vous n'avez pas de chance, car il est en conférence. Il ne peut vous recevoir, n'insistez pas. Bonsoir, l'esthétique bercedienne de la pensée viscontienne vient se mêler profondément, intimement et viscéralement avec l'esthétisme délirant des créateurs vénitiens du 18e, influencé par la renaissance latente de l'art gréco-romain qui, dans son illyrisme claquant, vient apporter la magique folie d'un réalisme délirant. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Comment on fait pour être tout ça sans respirer ? C'est une question d'habitude. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Ben voilà, je suis envoyée par monsieur le directeur, je m'appelle Dorothée, je voulais voir monsieur Frédéric Mitterrand. Tournez-vous. Mais vous êtes charmante. Vous avez été conçue par la palette d'un grand peintre. Je vous en prie. Vous êtes mignonne. Vous êtes mignonne, vous voulez que je vous dise. Allez, allez vous préparer, on tourne tout de suite. Et tout de suite là maintenant ? Dépêchez-vous, ça commence. Allez, vite. Oui, monsieur. Oh là là !
pas ce qu'elles ont les filles cette année, mais oh là là. De rencontrer les géants du rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my wheel. But what a thrill. Goodness gracious, great ball of fire. J'ai l'impression que tu t'es fait plaisir hein, et casser les années-tubes avant l'heure, faut dire que c'est à ta demande que tu as fait venir Jerry Lee Lewis, Percy Sledge, Chuck Berry et Cliff Richard et beaucoup d'autres, et c'était un moment très très émouvant parce que ce sont des gens très gentils, très sympathiques. On s'est bien amusés ensemble aussi. Tiens, lance la pub, vas-y. Oh non, tu sais trop. Non, je sais pas faire ça. Et maintenant voici la pub. À tout de suite.